Re, de retour, désolé pour cette coupure impromptue, c'est ma connexion qui a sauté. La box qui a. C'est le serveur de chez Orange, où c'est que la box elle a. Était votre frère, j'ai plus de go. Donc on a dû la redémarrer, et là c'est bon. Donc sur ce, bah, de retour. Hop. Du coup, Taiga, on a profité pour aller manger. Je l'ai eu. Heureusement que. La 4G, que je peux capter la 4G chez moi parce que il peut le bordel que c'est. Bon, sur ce, de retour, je vais continuer ça. Je vais envoyer le code à Taiga comme ça, quand il va revenir, il va pouvoir se reconnecter. Donc, bon. Ok, bon, espérons que ça saute pas parce que déjà la connexion elle a déjà sauté hier soir donc ça me plaît pas que ça saute. Mais elle a sauté hier soir, enfin hier soir, c'est plutôt ce matin, mais bon, hier soir vers 2h, enfin ce matin, oui, vers 2h du matin donc. Bon, j'espère que ça va pas recommencer cette nuit la coupure parce que c'est un. Enfin, les prochaines nuits les coupures. Ah, j'ai plus de tuyaux encore, c'est pas vrai. J'ai encore des tuyaux là-dedans. Non, j'en ai plus. Est-ce que dans celui-là j'en ai? Oui, j'en ai. Voilà. Bon, du coup, avant que la cône saute, j'étais en train d'empiler les conteneurs pour faire un bâtiment de stockage. Voilà. Et en gros, la gare, enfin la gare ici. Pour l'instant, gare routière va me servir de gare de merde de gare de triage. En gros, déjà, je vais mettre les convoyeurs verticaux. Sur celui-là pour mettre les convoyeurs verticaux de l'autre côté. C'est bon, lui c'est pas bon. Jaune noir. Au niveau des couleurs, ouais. Attends. Jaune tout black. Donc celui-là, jaune black. Celui ici. Celui tout en haut là-haut. Ah non, tout en haut là-haut, c'est. J'en ai sauté 3. Eh, mais attends. What? Eh, ça va être. Je vais mettre. Je vais prendre des plaques et je vais juste me mettre plein de passerelles pour pouvoir fabriquer ça tranquille. Sinon. Bon, déjà, je vais faire ce qui est à l'extérieur. De la logistique, convoyeurs verticaux, je vais m'occuper d'eux déjà. Après, je me dis c'est là que ça arrive donc non. Il va falloir que je fasse. Convoyeur vertical.
Si Six arrive, si Six sortait pas, donc. Je me suis encore fait avoir par la perspective. Le problème de faire ça, c'est que du coup, je me fais toujours avoir par la perspective. Je vais juste prendre des tiges, je vais mettre des échelles, comme ça je vais le faire en étant en face. Je peux me faire avoir par les perspectives. Parce que perspectivette c'est bien, mais c'est un peu casse-couille quand tu veux faire un truc droit. Bon, c'est en train de vider le surplus là, c'est bon. Ah oui, ça a bien vidé le surplus, oui. Ok, bah si ça a bien vidé le surplus, ça on l'enlève. Ça on le déconnecte, c'était juste histoire de vider le surplus parce qu'on avait vraiment des gros surplus de ressources. Je suppose que c'est pareil côté cuivre. Non, côté cuivre, j'ai l'impression qu'il y a toujours pas de problème. Bon! De retour avec de quoi faire des échelles. Commencer par un truc ça. Ici, ça. Là. Et ils sont trop proches. Là, il va falloir que j'enlève cette tour et que je la remette plus loin. Ouais. Oh putain. Je me dis si je fais juste une moitié à la fois. Ouais, je vais déjà faire cette moitié là, ensuite je m'occupe de. Ok, on va commencer par. Faire déjà connectique de ça. Les connectiques, le relier les conteneurs. Entre. Bon, je m'en fous, hein, les échelles, j'ai juste posé histoire de pouvoir grimper. Du coup, on va commencer par cela. Alors, convoyeur vertical 3. Ici, ok, c'est ici que ça arrive. Donc, ça, ça descend. Celui-là. Il descend là. C'est ça. Aïe. Ok, et du coup ça se fait de l'autre côté. Après là j'ai envie de dire ça va être plus simple parce qu'une fois que j'ai posé sur la première colonne, juste à vérifier d'être bien en face en fait.
Voilà. Je vais faire la même passe. Du coup, c'est bon, ça a redémarré. Ouais, la co est revenue, ouais. Ouais. J'ai relancé, t'as le code. T'es coupé en plein dans mon action là. En mode... Oui, mais tu crois que ça me fait plaisir que ma co, que chez Orange, la co elle est sautée comme ça parce que. Pour aucune putain de raison, la co elle saute? Non, c'est chiant. Y'a pas que toi que ça fait chier, hein. Ah, je sais pas, si... moi ça j'sais... saute tout le temps quasiment donc. Oui, mais toi c'est quelqu'un qui te l'a fait sauter. Moi ça fait déjà deux soirs d'affilée qu'elle saute. Alors bon, hier soir j'étais pas en train de stream. Parce que j'étais en... c'était après le stream, c'est pendant que j'étais en train de poster la VOD. Et par contre il s'est pas aligné du tout, je sais pas pourquoi. Vertical. Est-ce que j'ai tout sur moi? Parce que du coup, j'ai pas regardé. Tac. Black, j'ai tige, j'ai ça, j'ai. Ok, let's go. Je vais remettre les remettre du coup les conteneurs, sauf que c'est soit j'ai les espacés un peu plus parce que du coup le temps que t'étais parti j'ai commencé à vouloir remettre des, tu sais, des conveyeurs verticaux et je me suis rendu compte que c'est bien, mais si tu colles les conteneurs les uns aux autres, les conveyeurs verticaux ils vont clipper les uns à travers les autres. Mais bon, ça c'est vite réglé. Tu aurais espacé de 1, non? Oui, j'ai dû réespacer. Mais tu sais, franchement, réespacer les convoyeurs. Non, dans ce sens-là, je veux qu'ils montent. Donc je veux qu'ils soient en face, en fait. C'est ça. L'autre, je veux que ça descende. Celui-là, je veux que ça monte. Voilà. Et au tout dernier étage, je veux un convoyeur qui va en face. Voilà, tac 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 tac. Déjà j'étais en train de faire l'étage, donc on va finir l'étage. Is this good? Yeah, this is good. Parfait. Ça va, après ça va vite, une fois que t'as posé les premiers ça va vite parce que t'as juste à réaligner avec le constructeur vu que t'as les lignes qui t'indiquent quand c'est aligné, après c'est beaucoup plus simple pour mettre les quoi verticaux.
avis. Tac. Okay, par contre, je me rends compte que j'ai pas le bon retour. Ok, c'est bon. Bon bah du coup sur YouTube il y aura deux uploads hein. Malheureusement je peux pas uploader les deux. Bon c'est pas grave, je ferai deux uploads, j'en mettrai un à 14h et l'autre à 14h15. Ou 14h30 dépendamment de si c'était ou d'un quart d'heure ou d'une demi-heure de OD. Ça a sauté, mais bon. Ah, mais je sais pourquoi en fait je produis trop de starter. Parce qu'en fait du coup j'ai pas assez de tuyaux qui va j'ai pas assez de tuyaux qui fait de starter, du coup ça la machine elle fait trop de rotor. Ouais, du coup t'as un surplus, t'as beaucoup de plus de rotor que de stator. Parce que t'as un, en fait, t'as un manque. Il faut que je fasse deux machines de starter pour une machine de rotor. Ah oui. L'échelle, voilà, parce que j'ai besoin des échelles par contre. Alors par contre, ouais, là mon problème ça reste que ça va être pour pas se faire avoir par la perspective, pour pas se faire perspective Z. Là ça va être quelque chose. Non, c'est bon. Non, connecte-toi comme il faut. Au secours. Je sais pas connecter. Et quand il y a Vertico. Oh, c'est bon. Oh, par contre. Non, on est d'accord qu'il est pas du tout connecté en fait. Il s'est connecté à lui, mais c'est pas vrai. Ah, il manque des plaques. Ok. Bon, ça, les plaques, ça va. Ah, j'ai plus... voilà. J'ai déjà plus de plaques. Après, tu vas me dire, vu le nombre de conteneurs que j'ai posé, c'est pas grave. Question, le bâtiment, je lui mets des murs orange ou des murs béton? Après tu vas me dire, ah attends, avec des points on a dû avoir obtenu des coupons fixite, peut-être qu'avec les coupons, est-ce que je ne prendrais pas les murs en tôle? Tu sais, en tôle grise là. Ah, moi de toute façon je vais le repeindre le bâtiment, je prendrai des pédales de fleurs et je les mets en couleur. Hein. Oui, non mais je veux dire mon bâtiment, je veux dire le bâtiment de stockage.
pense que je vais lui donner un côté entrepôt, tu sais. Ouais, on a 7 tics, 7 coupons, allez hop. Je vais prendre un truc pour lui donner ce côté un peu entrepôt. Mur. Non, c'est dans customiseur, matériaux de mur en acier, voilà. Ouk. Voilà. Ah, et puis il y a les poutres structurelles aussi que je prendrais bien en. Ah, il y a aussi. Ah, il y a les piliers en métal. Ça peut être sympa ça d'avoir des piliers en métal pour certains buildings. Qu'est-ce que t'en penses? Ou non? Bon, tu sais quoi, j'ai assez de coupons pour les prendre, donc je vais les prendre maintenant. Et puis de toute façon, si on veut d'autres trucs, ça, il faut faire des coupons, c'est pas trop gênant. Hein. Faire des coupons. Là, j'en profite pour vider un peu le surplus de cuivre, parce que bon, le cuivre, ça s'est rempli à une vitesse folle. Enfin, c'est surtout, il y a beaucoup de stockage, donc une fois que c'est plein, ça prend du temps à vider. Un mauvais connecteur, par contre, ouais, les convers, je vais mettre une échelle au milieu. Hein. J'allais dire, il nous manque des pièces, hein, parce que bon, c'est bien, mais j'essaye de faire des toits, mais. Il te manque des bouts de tout. Oui, les toits en coin qui te manquent aussi. Moi, les trucs qui servent à faire les toits, quoi, parce que j'ai des rampes, mais. J'ai les rampes murales là pour faire les toits, mais sauf que. Bah... manque un truc. Ah, les murs inclinés, oui. Mm. Enfin, les toits. Bah, ça, prochain coupon fixit, on les prend. Bah, c'est pour faire des toits en pente, mais. Ah, et du coup, les basiques en tôle, ça c'est avec des plaques en acier et du béton. Oh, bah, ça va. Ça va, les plaques en acier, c'est pas comme si qu'on en avait une prod d'enfoiré parce que j'ai. Parce que vu qu'on s'en sert aussi pour faire des convoyeurs. Hein. Donc le catharium va arriver par là. Donc, là les plaques, les tôles, elles arrivent ici. Donc il va falloir que j'arrive à faire amener le catharium de ce côté-là pour que ça se transforme ici. Donc ça devient des fils. Du coup mes tôles, elles vont passer en dessous pour arriver là. Et là. Il s'est mis vers le bas. Et j'étais capable de faire de la merde. Oui, j'ai vraiment fait de la merde. J'ai connecté les cons. C'est bien, mais si tu connectes un conteneur à lui-même, il risque pas de transférer des ressources aux autres. Hein. Quand même, t'es capable connecter les conteneurs entre eux, quand même. Enfin, de faire en sorte de tiens, tu vas envoyer des ressources à toi-même. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Bon. Je pense que je mettrais des passerelles aussi. Du coup, le catharium, qu'est-ce qu'il faut? Une fonderie, je pense. Oui, fonderie pour des lingots de catharium. Ah,
Ouais, pour un bâtiment de stockage, c'est pas mal, hein, les murs en tôle. Hein. Donc, j'ai besoin de 4 fonderies, parce que je produis 120. Comme ça, je vais pouvoir mettre architecture, passerelle droite, ici de manière à ce que ça passe. Voilà. Parce qu'à ton niveau des passerelles, on a juste les escaliers de passerelles. Ouais. Ah! Je peux connecter des escaliers après. Ouais, je suis pas sûr de. Peut-être de connecter des escaliers aux passerelles. Si je peux, je vais mettre là-bas l'escalier. C'est du coup ce mur-là, il me semble. Hein. Ouais, celui-là. Le seul truc que je trouve con, c'est qu'il n'y a pas de demi-mur, tu sais, dans le jeu. Tu sais, de murs qui font la moitié de la largeur d'un mur. 45 par minute. Oui, là, ah, tu parles pour le béton ? Non, pour le caterium. Oui, c'est par tranche de 45 par minute, oui. Ouais, il y en a eu qui prendra moins de lingots, mais c'est pas grave. Non, non, suffit de... Bah après, ça dépend de combien... Oui, oui, tu t'en fous, il y en a une qui produit moins de lingots. De toute façon, au total, ça va quand même faire 45 et 15, tu vois. Si tu mets 60. Si tu veux... Enfin, si tu veux 60, tu vois. Sinon, dans tous les cas, ça va pas changer grand-chose à ça. Par contre, c'est vrai qu'il va me falloir... Oui, il y a moyen de passer en... Oui, il y a moyen de passer sans problème entre les conteneurs. On va aller chercher ce qu'on veut. Oui, puis ici ça fait une petite allée jusqu'à aller jusqu'à l'escalier, voilà. On va s'embêter. Comme ça, si on veut monter.
Parce que attends, y a pas des escaliers en... Mais y a pas des grands escaliers en coin, y a que des petits comme ça là. Escalier à gauche ou à droite parce que ils sont petits quoi. Non, y'en a pas hein. Sinon faut les créer soi-même avec des rampes et des escaliers de passerelles. Ouais bah je me dis je vais limite les faire. Je vais limite faire avec ça. Hein. Avec les trucs de passerelles, ce sera limite mieux. Franchement. Je veux mode par défaut. Donc. Ça c'est pour que ça va là, là, ça va là-haut. Donc là on est bon. La machine qui produit l'étoile de cuivre, deux, comme ça au moins on est bon.
paf, voilà. Ça, tout ça, c'est connecté. J'aurai juste à mettre des panneaux en bas en utilisant un peu de quartz. Tiens, en parlant de quartz, il va falloir qu'on fasse une mine hein, de quartz. C'est quand même un peu important parce que si je pose des conteneurs, ouais, ils font cette taille-là, donc bon. Architecture. Passerelle droite. Et je vais la mettre jusqu'au bout, hein, écoute. Voilà. Eh ben. Ouch. Ouch. Ok. Bon, maintenant que j'ai mis les passerelles, j'ai plus qu'à mettre des murs. À m'occuper de tout ce qui va être la gare de triage et de faire arriver les convoyeurs. Ah, il me manque puis, des câbles. Ce sera pas trop mal. Et par contre, ouais, va falloir qu'on up la prod de béton. Ça, ça va être une priorité si on veut pas attendre ultra longtemps avant de pouvoir terminer la grande autoroute. Donc, pour l'instant, je mets pas de mur en bas. Ah, c'est vrai que va falloir que je refasse le trajet du camion pour les moteurs. C'est-à-dire ? Bah, que le camion avait bugué et que du coup, fallait que je refasse le trajet. Ah, tu refasses le trajet ? Parce que bah, il avait plus d'essence, donc on savait pas pourquoi. Ah oui. Oui, c'est bizarre même. Il est plus d'essence. Et d'habitude, quand tu faisais le trajet, il disait ouais, ça te prenait 94 de charbon. Donc 94 sur 100, bah, il en reste 7. Il en reste 6, mais ouais, il en reste 6. Donc théoriquement, le tracteur il aurait pas dû s'arrêter. Oui, je sais pas. Mais surtout qu'en plus, j'avais fait en sorte qu'il s'arrête bien une trentaine de secondes à ta station, comme ça il a bien le temps de charger toutes les ressources et de refaire le plein. Et même en 15 secondes il rechargeait tout hein. Moi, oui, non mais je l'avais pour tout prendre donc... Oui, moi je l'avais mis à 30 au cas où t'avais un surplus ou un truc dans le genre, on sait jamais. Mais comme ça je me suis ça fait plus, mais de toute façon 15 ou 30 ça change pas grand chose hein. Mais en fait pourquoi j'ai mis à 30, parce que je me suis dit si on vient faire passer des tracteurs pour ramener le plastique et le caoutchouc, le fait que ce soit à 30, comme ça les miens je les fais aussi s'arrêter à 30, tu vois, ils se m'embêtent pas, vu que de toute façon ils vont faire des arrêts à 30 secondes dans mon usine. Enfin, je dis ça mais on va débloquer les trains, donc à mon avis ce sera des trains moi qui vont transporter mes ressources. Ce sera plus simple. Béton. Béton, béton, béton. Mais ouais, par contre, il va falloir aussi qu'on booste la prod de béton parce que j'en consomme beaucoup du béton. Et je me dis, vu comme il nous reste un truc de pétrole, théoriquement, on pourra en faire pour les copeurs, hein. Pour les copeurs, c'est-à-dire ? Ah, les copeurs de pétrole. Ah, les coques de pétrole ? Ben oui. Mais la coque de pétrole, en fait, pour te dire, c'est un résidu. Non, chose qu'on peut faire, c'est du carburant, par contre. Vu qu'on a débloqué le truc de faire du carburant, vu que j'ai débloqué le transport de liquide alternatif, c'est-à-dire qu'en gros j'ai débloqué le fait de pouvoir les mettre dans des conteneurs en plastique, c'est-à-dire de pouvoir fabriquer littéralement des conteneurs en plastique dans lesquels mettre le fuel, faire une petite usine avec qui littéralement crée du fuel et l'impact, et ensuite tu t'en sers pour alimenter les camions avec du carburant. Donc par contre j'espère qu'on a des câbles de réserve parce que depuis tout à l'heure je vois qu'on est en train de broyer. Oui, on a des câbles. Ouh non mais il y en a une blindose. En fait si tu veux je broie parce qu'il y a plein de conteneurs de plein et en fait tant qu'ils sont pas au moins aux trois quarts des conteneurs vides, je laisse broyer vu qu'on a quand même beaucoup de prod. Et que c'est en plus c'est des gros stacks donc c'est pour ça que quand tu vois que le truc est quasi vide, bah tu t'enlèves juste le petit convoyeur qui empêche de remplir. Mais le petit, à la sortie, tu me coupes pas la moitié du stockage. Hein.
comme la dernière fois. Apparemment, la dernière fois, pour arrêter de broyer le truc, t'as coupé la moitié de la capacité de stockage du truc. Tu pouvais juste enlever le petit convoyeur qu'il y avait derrière. D'enlever le petit convoyeur qui emmène à la broyeuse. Non, non, moi je vais enlever le convoyeur qui mène à la moitié du stockage. Ok, station de tri. Pour l'instant, je me dis... Et il faudra que je mette une porte aussi. Ouais. Truc plutôt important, mettre une porte. Bon, ben, c'est bien nos petites usines, mais c'est un peu le bazar, en fait, là-bas. Oui, je sais que c'est le bazar, mais on va... T'inquiète. Mais déjà... Le plus important, c'est d'avoir des trucs qui fonctionnent. Ah mais t'as littéralement fait des trous pour les cheminées. Oui, j'ai fait des trous pour les cheminées de mes écoutes. J'allais pas m'emmerder à faire un building qui allait passer à travers la route, alors du coup j'ai fait des trous pour les cheminées. Écoute, ça marche, donc hein. Je veux dire, tant que ça marche, tu peux rien dire. Même t'aurais pu boucher un peu plus les trous, t'aurais pu faire des demi-dalles. J'ai fait avec des demi. Les ai fait avec des demi. Le problème, c'est qu'en fait, je peux pas juste mettre des quarts. Ouais, je vais faire des trous de la bonne taille pour juste passer le tube en fait. Hein. Ça, c'est juste que bon, c'est avec des trucs de demi 8 mètres, donc oui, le trou fait minimum 4 mètres quoi. Mais bon, je peux pas faire grand chose en fait. Parce que le problème, c'est qu'une fonda ça fait combien? Ça fait 8 par 8 ou? Ouais, ça fait 8 mètres par 8 mètres. Hein. Une demi fondation ça fait 8 mètres par 4 mètres. Je peux pas faire des trous de genre 1 mètre d'épaisseur, tu vois. Ce serait bien. Si je pouvais, je le ferais, mais je peux pas. Donc voilà, hop, ça ce sera en fil actif, ça ce sera en fil actif, là, ça ce sera en fil actif, ça ce sera en fil actif. Eh ben, rien à voir du fil actif, hein. Je me dis, est-ce que je me... Ok, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire autrement, ça. Je vais mettre une petite trempe. Ok, mur avec porte latérale. Voilà. Comme un débile, je l'ai fait en béton au lieu de le faire en acier. Voilà. Et maintenant, je vais mettre... architecture, rampe de passerelle, voilà. Comme ça, si on a besoin d'aller dedans, c'est bon. Faudrait que je mette des panneaux, mais bon, les panneaux, on va attendre. Ici, je peux mettre le mur. Hein. Si je peux mettre un mur. Hein. Si on veut un jour récupérer les ressources qui sont stockées dedans, on a toujours l'option si on veut, mais pour l'instant, c'est un mur.
Voilà. Et comme ça, un bâtiment tôle comme ça, c'est force, c'est un entrepôt. Voilà. Ok, bon. Mais du coup, la gare de triage, parce que c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. De toute façon, on est d'accord que nous, la seule partie dont on sert, c'est, enfin, dont on... dans laquelle on se déplace, c'est d'une porte à l'autre dans la gare de triage, histoire de pouvoir accéder à la route. Donc le reste du bâtiment, ce qui est dedans, je peux m'en servir pour trier un peu comme je veux. Bah, de toute façon, oui, vu que maintenant on va avoir un gros bâtiment de stockage, oui. Ok. Déjà. Attelons-nous à tout ce qui va être triage. Donc je me dis... Logistique... C'est quoi, je vais pas m'embêter, hein. J'ai de quoi faire plein de répartiteurs intelligents, juste en mettre plein. Hein. J'ai combien de piles de, conteneurs déjà là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piles de conteneurs. Et bah du coup, 7 répartiteurs intelligents. Enfin 6. Pourquoi s'embêter, franchement. Pourquoi je m'embête? Je peux juste les coller en fait les uns aux autres, c'est pas grave. Je peux les coller, ça me dérangera pas. Alors, splitter intelligent. Pif. 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 Et merde. Et damn it. Bon, j'ai ces petites caisses là qui me gênent, avec tout le bec plein de moteurs dedans là. Je vais stocker tous les moteurs là que j'ai sur moi. Je vais dégager les petites caisses de moteurs là. Qu'est-ce qu'on voit là? Bah tiens, ça avait des moteurs de stocker dedans. Eh bien, récupère tes moteurs toi. Voilà. Il me semble que par contre là-dedans, ouais, là-dedans il y a plein de moteurs. Et pourquoi j'ai des doses de cuivre qui... Et comment ils ont fait pour arriver là? Ah ça, j'en sais rien. J'ai des doses de cuivre qui ont réussi à se transférer de mon... Comment ça s'appelle? De mon conteneur, sans y être relié. Magic. 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 De la magie. Aussi. Ah bah pour être magie, c'est magie. La tôle, elle a sauté le muret et elle a atterri sur le truc. Hein. Bon. Moi sur ce, je vais vouloir faire un truc tout con qui va être logistique. Et je vais vouloir passage au sol pour convoyeur et j'en veux 7 du coup. Ah, il va me manquer du béton encore. Ah,
Genre franchement, si j'étais en live, genre les titres seraient tellement différents, tu vois, ce serait toi ce serait le projet machin, moi ce serait projet Caterium machin. Ah oui, non mais on aurait tellement de titres différents. Bah parce qu'on se parce que littéralement on fait deux trucs différents aussi hein. Genre le titre, quand l'un s'occupe du pétrole, l'autre s'occupe des moteurs. Ouais mais quand l'un s'occupe du stockage, l'autre s'occupe du caterium. Bon, du coup je vais pouvoir ouais le stick partiteur intelligent, je vais pouvoir les mettre. Ah, j'ai un problème. L'espace qu'il y a pour les splitters. Oh, ben, oh, je vais manquer de 1 d'espace pour mettre des splitters. Oh. Attends. Parce que j'aimerais bien juste faire une ligne de splitters en fait. Je peux carrément commencer en mettant un directement là. Hein. Tac. 3. 4. 5. 6. Non, c'est bon. J'ai la place pour mettre. Et 6. Et oui, je sais ce que je fais. Ne vous inquiétez pas. Attention, à l'arrivée, si vous voulez avoir un bal de crâne, vous allez bientôt vous prendre un McDo, un bâtiment. Comment ça, McDo dans un bâtiment? Ah oui, quand t'arrives. Non, ça va, t'arrives pas très très vite. McDo... Il y a encore des moteurs, mais qu'est-ce que je fais avec 50 000 moteurs dans mon inventaire encore, c'est pas vrai. Oui, c'est parce qu'il y avait une caisse là. Ah oui, c'est la caisse de moteurs là-bas, c'est vrai. Hein, oui, il y a encore des moteurs ici. Ok. Alors du coup, toi, je veux en face... Je vais te mettre tout ce qui n'est pas défini. Toi, en face, tout ce qui n'est pas défini. Et je vais tous les mettre en face, tout ce qui n'est pas défini, en gros. Puisque tout ce qui n'est pas à trier, tu le mets en face. Tout élément non défini. Là, je sais pas pourquoi il y a encore des moteurs sur ce convoyeur. Hein ? Ah oui, parce que c'est relié à la... C'est vrai. Et du coup, premier que je vais faire partir à droite, eh ben ce sera les moteurs, tiens. Je veux que tu mettes moteur. Là. Voilà. Maintenant, je vais prendre vertical 3.
Alors pourquoi j'ai encore des moteurs qui arrivent sur la ligne au fond? C'est pas vrai. Pourquoi il y a des moteurs? Je t'ai dit, tout en face c'est tout ce qui est pas défini. À droite c'est les moteurs, mais en face t'es pas censé m'envoyer de moteur puisque t'es rien censé envoyer. Ah non, parce que t'as pas défini, c'est marqué pas défini. Non, tout élément qui n'est pas défini. Les moteurs, ils ont été définis comme à droite. Oui. Non, parce que regarde, il y a tout, mais littéralement tout, non défini. Tout ce qui n'est pas défini. J'ai défini en premier de sortir les moteurs à droite. Donc pourquoi il envoie encore des moteurs en face? Oh, parce que tu vas me... oh, c'est parce que c'est pas encore relié à des conteneurs et que du coup, vu qu'il y a un surplus, il envoie en face, c'est ça? Je suis sûr que c'est ça. Et ben, le premier, voilà, celui-là, ce sera des moteurs. Du coup, mur. Mur avec passage de convoyeur. Si j'en mets un avec un passage, avec un passage. Ici. Un avec deux passages. Et ici, on va repasser sur un passage. Voilà. Oui, parce que vu que du coup il a pas d'autres sources, que ça n'a pas été défini comme. Ah, voilà. Attends, je peux faire ça? Parfait. Connard! Pourquoi tu t'es connecté bizarre? Je veux que t'ailles dans ou pour convoyeur. Mais d'accord, il veut se connecter directement dedans. Non, te connecte pas directement dedans le jeu, non. Laisse-moi connecter les convoyeurs comme je veux. Et je vais enlever ces deux conteneurs là qui sont en dessous. Je sais qu'il reste des trucs dedans, mais c'est pas grave. Ah, alors j'ai un pilier, il risque, je vais le décaler parce que sinon, vous voyez, il va passer à travers. Ah merde, je veux juste faire en sorte qu'il... faire passer comme ça parce que je tiens pas à ce qu'il clip avec l'échelle. Mais vas-y, je produis aussi tellement de filles qu'en fait j'ai... Ouais, mais le truc c'est que les fils actifs, les trucs comme ça, faut faire gaffe parce que ça se produit par beaucoup. La prod elle est beaucoup en fait par minute, hein, faut pas oublier. Mais même pour l'acier ça se produit vite. Pour le cuivre, genre littéralement, je te dis, j'ai deux machines qui... Oui mais deux machines, mais le fil de cuivre frère ça se fait par 5. Un lingot.
Donc 5 pour un lingot, ça se vide. Voilà, ici on va voir les moteurs qui vont arriver dans ce conteneur. Voilà. Et c'est 2, non, c'est 2 pour 2 pour un lingot. Ah, niveau fil de cuivre ou tôle de cuivre ? Fil de cuivre. C'est 2 fils de cuivre pour un lingot, c'est pas 5 fils de cuivre pour un lingot ? Non. Ah non, c'est 5 fils actifs pour un lingot ça, dans du catharium par contre. Oui, je prenais le ratio du catharium parce que je me disais que ça doit être le même que le cuivre, mais non. Ok, bah j'ai juste à... Ok, là normalement on est d'accord que j'ai... Voilà, y a rien, parce que c'est normal. Maintenant les moteurs peuvent se stocker. Qui vont se stocker tout seuls, voilà, comme des grands. Maintenant, moteur 1, deuxième, je vais vouloir à droite. Il n'y a qu'à droite que je peux envoyer quelque chose du caoutchouc. Ensuite, après le caoutchouc, je vais vouloir le plastique. Pourquoi je m'emmerde, je peux juste taper. Voilà, plastique. Ici, je vais vouloir... caoutchouc plastique, du coup tu sais quoi que tu fais, c'est des... Merde. Contrôleur d'IA, il me semble, c'est ça, tu fais des contrôleurs d'IA là-bas. Oui, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est ce que tu vas essayer de faire, ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu fais, à part ça? Parce que là, j'en... D'IA, parce que du coup, je vais avoir les filières qui peuvent avoir des poils, j'ai déjà... Pas forcément dans ton usine, mais c'est genre... parce que au pire ça me fait. Non mais genre, au pire ça me fait juste des trucs libres pour pouvoir y mettre des ressources plus tard. Si on y arrive à me ramener du plastique avec les tôles, je peux faire des circuits imprimés. Circuit imprimé, ok. Avec le plastique. Ouais bah vous ramenez du plastique, Jean-Pierre, j'en produis 200 minutes, donc ça va pas être un problème. Hein. Circuit imprimé du coup. Hop. Et puis après le reste, de toute façon on verra. Hein, c'est, si on produit, mais de toute façon il faudra qu'on produise des ordinateurs au bout d'un moment. Donc. Là, bon, je suis en train de faire l'étage pour tout ça, mais limite, ouais, si je produis assez de tôle, je peux faire les circuits imprimés et les contrôleurs d'IA là. Oui, bah, circuit imprimé, bah, contrôleur d'IA, ça va toujours être pratique d'en avoir qui vont venir vers la base, parce que bah juste répartiteur intelligent, c'est trop bien. C'est trop bien, tu peux choisir d'envoyer une seule ressource à un endroit et de séparer ça de d'autres trucs. Voilà. Ok, non, je veux... C'est ça, mur, mur basique 4 mètres. Et comme ça je vais pouvoir mettre les moteurs là dedans et ils vont se trier tout seuls. Ah puis je peux même mettre le plastique et le caoutchouc, ça va se trier tout seul maintenant. Et ouais, on va faire ça tout seul. Ça, ils veulent faire comme un grand. Bon. C'est surtout que faut savoir combien de prod il faut que je produise en plus. Bah après, contrôleur d'IA, t'es pas obligé d'en faire beaucoup. C'est juste histoire, t'sais, d'avoir une toute petite prod et de se dire que si on en a besoin, on en a, tu vois. Ouais, de toute façon, tu vas en avoir besoin parce que bon, pour faire avec les ordinateurs... Contrôleur d'IA peut-être pas, par contre circuit imprimé oui. Non, il n'y a pas besoin de contrôleur d'IA, c'est des circuits imprimés qu'il faut pour faire les ordi, il me semble. Contrôleur d'IA, il n'y en a pas besoin, c'est pour faire un ordi, c'est pas forcément pour faire un truc une IA. Je sais pas, faudra voir. Bon, du
coup, ça pour l'instant, ça va rester comme c'est. Ok, est-ce que... panneau, cristaux de quartz. On a de quoi aller chercher les mines de quartz ou pas? Oui. Je me dis, aller chercher une mine de quartz histoire d'avoir des cristaux de quartz en rab, ça peut être pas mal. Hein. Tu sais, histoire d'avoir ça pour pouvoir faire un peu des panneaux, des trucs, et puis aussi pour faire quelques trucs qui vont demander du quartz. Parce que c'est pareil, il y a des recherches dans le MAM qui demandent du quartz. Quartz, on a quoi? On a les oscillateurs à cristal. On a les poches gonflées, mais bon, ça on s'en fout. Et il y a l'explorateur aussi. Le buggy. Ce que tu voulais par un moment. Je prends le buggy pour ouvrir sur la route. Bah Jean-Pierre, je te rappelle que je suis en train de te faire des grands tunnels. Donc imagine, une fois que ce sera terminé, avec le buggy. Le mec il va passer en mode Forza, tu sais. Mais on est dans Satisfactory, je m'en fous. Le mec va passer en mode grand tourisme. Je vais stocker plus. Je vais remettre mon béton dans le conteneur pour l'instant. Parce que l'autoroute, bon. Il va falloir que je booste la prod de béton pour pouvoir la continuer. Parce que c'est pas avec nos 60 de béton par minute que je vais faire une autoroute de plusieurs kilomètres. Parce que quand tu sais que pour faire 600 mètres, il me faut à peu près 14 000 de béton. Euh, 60 minutes, ça va être compliqué. Tiens, en parlant de ça, j'avais pas... Ah tiens, technologie de monorail ferroviaire. Je vais voir si je peux pas... déjà, je vais mettre quelques-unes des ressources qu'il faut. Je vais voir pour faire les cadres modulaires lourds et fabriquer des ordi à la main. C'est histoire de pouvoir... histoire de pouvoir obtenir le monorail. Pour voir le train. Du coup, il me faut des toyaux, bah ça c'est pas un problème, et des plaques, c'est pas non plus un problème. Les cadres lourds, ah c'est chiant à faire à la main quand même, mais bon, ça se fait. Mais bon, je pense que les cadres lourds, ouais, faut faire 100 cadres lourds, ah, c'est pareil. Y a les ordinateurs aussi qui demandent pas mal de ressources. Après, les ordi, on va en avoir besoin pour fabriquer quelque chose, pour fabriquer d'autres trucs, ça c'est sûr, les cadres lourds sûrement. On va sûrement en avoir besoin aussi. Mais attends, je sais, voilà. Attends, tu sais quoi, attends, je les ai mis où? Ok, là, il y a les contrôleurs d'IA. Les circuits imprimés, je vais pas les mettre pour l'instant. Dans le tri, parce qu'on va en avoir besoin pour faire des ordi. Je me dis, autant fabriquer directement des ordinateurs. Non, qu'est-ce que t'en penses? Puisque de toute façon, ça va être un composant pour faire les ordinateurs. Ça va être un composant qui va être majoritairement utilisé pour faire des ordi, donc autant directement setup les ordinateurs, non? Pour les. À la place des circuits imprimés. Parce que c'est littéralement un circuit imprimé, ça sert juste à faire des ordi. Et 2-3 trucs vite fait, mais. Il me semble que non, circuit imprimé, le seul truc que ça permet de faire, c'est l'ordinateur. Non, parce que c'est les connecteurs haute vitesse qui servent à faire autre chose. Il me semble pas que c'est besoin de circuit imprimé. Non, ça a juste besoin de plastique et de fil actif. Donc, un ordinateur, ça demande circuit imprimé, plastique, câble, clou. Les circuits imprimés. Oui, c'est pour ça. Les circuits imprimés, en fait, il y en a besoin que pour faire des ordinateurs. Donc,
Je me dis directement faire des ordi, hein. Surtout que vu que tout ce qui est plastique, caoutchouc, tout le bordel, c'est à côté. Moi je veux. Ah oui, du coup je vais aller dans le bâtiment. Ouais, parce que le problème c'est que la machine est trop grosse que mon usine actuelle. Je sais que la machine est très grosse, mais c'est pour ça que je me dis peut-être faire un bâtiment, c'est un petit bâtiment dans lequel mettre les de quoi faire les ordinateurs et tout le bordel. De toute façon, il faut que je le revoie le bâtiment. Oui, non, mais de toute façon, il y a plein de trucs qu'on va revoir et tout. Hein. Là, c'est juste que j'ai envie de dire. En fait, je vais peut-être tout redémonter, je vais peut-être tout démonter, tout refaire. Oui, parce que là, on a suffisamment de moteurs. De toute façon, un niveau stock, c'est pas un problème. Du coup, je veux récupérer le plastique. Donc, si je me cours pas, conteneur 3. Ouais. Bingo. Ah oui, c'est comme ça qu'on voit ce qu'il faut pour les cadres modulaires lourds, parce que, enfin, si on n'a pas une recette alternative pour les cadres modulaires lourds... Ah oui, il te montre si... Non, on n'a pas débloqué de recette alternative pour les cadres lourds. Ah, ça c'est chiant. Le problème, c'est que si je démonte tout, on a plus de... Je dis, on a plus de d'hypertube. Comment ça, on a plus d'hypertube? Ah oui, toute l'usine. Non, mais au pire, tu démontes juste la partie usine. La partie avec l'hypertube, tu peux la laisser sur le caillou, c'est pas gênant. De toute façon, la partie usine, tu l'as mis en haut du caillou parce que tu savais pas trop quoi faire, mais je pense qu'on va la faire sur... Écoute, derrière, tu as littéralement une étendue gigantesque pour pouvoir faire ton usine. Je pense qu'elle n'est pas obligée d'être sur ce caillou, ce qui te, te limite beaucoup. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais l'agrandir. Ouais, c'est pour ça que t'as beaucoup de place, donc je me dis, au pire, la partie avec l'hypertube, tu peux la laisser pour l'instant, parce que... C'est quand même pratique. Le parti du caillou et en fait l'usine va être suspendue en fait. Oui, je sais pas. Du coup, je veux. C'est Caterium. En fait, le problème c'est que du coup, l'hypertube rentre d'un côté et. Après, j'avais fait ça histoire de le faire vite fait, mais ça dépend. Par contre, question. Caterium, est-ce qu'il y a d'autres trucs que je peux fabriquer? Ah, on pourrait avoir des poteaux marque 3. Ah bah attends. Attends, poteau électrique marque 3, c'est intéressant ça. Il faudrait faire des connecteurs haute vitesse. Ça va demander du câble. Ah non, ça demande aussi des circuits imprimés. Ah, et on a... Ah, sinon on a une recette alternative. Non, pour les circuits imprimés. Pas pour les connecteurs haute vitesse. Putain, 56 fils actifs. Eh hey Jean-Pierre, circuit imprimé, tu veux pas les faire avec du quartz? Bah après ça dépend, tu vas me dire. Parce que les circuits imprimés avec la recette alternative qui se fait avec du quartz... Non, tu vas me dire, non, je peux t'envoyer du plastique quand je veux, mais ce qui est avec du quartz, ça les produit plus rapidement, donc faudra voir par rapport à combien il en faut pour faire un ordinateur. Attends, je peux voir pour un ordinateur ce qu'il faut, vu qu'on peut les fabriquer à la main. Ordinateur, ça se fabrique à combien de minutes? 2-5 minutes, et ça a besoin de... 10. Pour 1. Donc ça fait 25 minutes. Ça a besoin de 25 circuits imprimés minutes. Je me dis le craft avec les qui a 12,5 minutes, ça peut être pas mal hein, avec le quartz pour faire du avec la silice et le pour faire les circuits imprimés, je me dis pour pouvoir faire les anti. Mais bon, ça de toute façon il va falloir que je te rejoigne pour s'occuper de faire ça. Est-ce que j'ai d'autres? Ah oui, je voulais faire les cadres lourds, mais alors les cadres lourds, il semble que c'est chiant à faire. Cadre modulaire lourd, oh oui. C'est cadre modulaire, vis. Et attends. Ah oui, c'est vrai que. Ah oui, non, c'est que les cadres modulaires qu'on a. Et ouais, c'est ça, c'est que les cadres modulaires, on a des. Attends, il y a le. Il y a un truc à côté de la base. On est d'accord qu'il y a un truc planté qui s'est planté à côté. Enfin, qui s'est planté. Il y a un drop pod cache. Enfin, qui s'est crashé.
là où on a notre nos pompes à flotte. Pour la base principale. Je vais aller voir ce qu'il... Il l'avait déjà récupéré, lui. Je sais pas, je vois qu'il y a des ressources à côté, j'ai cru voir du plastique, donc je me dis, si tu l'avais récupéré, t'aurais peut-être récupéré le plastique. Je vais aller voir, écoute. Non, il me semble que t'étais pas allé, parce que vu qu'on avait pas encore les fusils... Enfin, vu qu'on avait pas encore le pistolet, t'étais pas trop allé parce qu'il y avait des abeilles. Plante à abeilles, on savait, et on n'avait pas encore... toutes nos connaissances... par rapport au fait de pouvoir les dégommer en les retapant dessus. Mais par contre, attends, pourquoi il y a une route, mais il n'y a pas le camion? Ah oui, mais c'est juste que le camion, ouais, mais le camion, même s'il t'y remet du fuel, il repart pas. Oui, j'ai essayé de le faire repartir, ça pas voulu. Et de toute façon, c'est pas grave. De toute façon, pour ça, on a assez de moteurs pour... Oui, les moteurs, c'est pas grave. Ouais. De toute façon, j'ai arrêté la production. Je suis en train de tout démonter à l'intérieur du truc. Bah oui, comme ça, on pourra faire ça un peu plus propre, on va dire. Et vous voyez ça, le chat, chat, vous voyez ça, c'est le projet, l'espèce de grand bloc en béton qui passe là. Alors oui, je sais, il y a des piliers, il y a des endroits où il n'y a pas de piliers, parce qu'il n'y avait pas de piliers à la base, et je les mettrai après. Entre quelques piliers pour l'esthétique et le fait de terminer le tunnel, je mènerai le tunnel avant. Surtout que de toute façon, il faudra que je mette des piliers sur les côtés pour l'esthétique, donc... Alors du coup... Ah oui, non, tu étais pas... Non, je crois pas que tu sois allé. Non, il y a encore plein de trucs... Non, il y a encore plein de ressources là-bas. Non, puis c'est sur le caillou, donc il me semble pas qu'il était allé... Que sur moi, j'ai du béton... Non, j'ai pas de béton, merde. J'ai de quoi faire des convoyeurs marque 1, oui. Quoi de faire des pylônes? Non, parce que j'ai pas de béton, et merde. Non, il me semble pas que tu y allais là. Ok, c'est bon. Est-ce que tu étais allé? Ah oui, tu étais allé, putain. Mais par contre, t'aurais pu récupérer les trucs qu'il y avait autour. Par contre, au niveau des ressources. Quand tu ouvres un conteneur, récupère les ressources autour, s'il te plaît, comme ça on sait qu'il est récupéré et on n'a pas l'impression que... autant toi tu sais ce que t'as ouvert, mais moi je suis pas dans ta tête. Hein. Et vu que tu stream pas, je peux pas voir ce que t'as ouvert. Hein. Le fait qu'il y ait une mort d'éléphant, il se rappelle de n'importe qui. Il dit ouais, celui-là, je l'ai ouvert. Non mais le problème c'est que toi tu sais que tu l'as ouvert, mais le problème c'est que moi je vois qu'il y a encore des ressources autour. Donc je me dis, il l'a pas récupéré, sinon il aurait récupéré les ressources. Eh non, il récupère les ressources, il s'en fout. Juste récupérer le truc qu'il y a dedans. Mais il n'y a pas une recherche qui nous permettrait de pouvoir scanner les... Enfin, de pouvoir détecter les drop pods qui se sont crashés. Ce serait pas mal de pouvoir une recherche qui nous permet de détecter les drop pods qui se sont plantés. Quoi, le quartz, ouais. Non, le soufre. Ah oui, le soufre. Ah oui. Ah, t'as besoin de soufre?
Non, bah, je voulais savoir si je pouvais faire des trucs explosifs comme ça au moins. Ah oui, mais il y a un truc de soufre pas très très loin du hub sinon, enfin pas très très loin, 1,5 km du hub il me semble. Donc Ah si tu voulais faire les explosifs sur ta base. Mais après les explosifs c'est juste un... enfin, c'est juste du matériel, hein. Techniquement on en a pas besoin pour faire grand chose pour l'instant. Ouais, et le quartz, en fait, le truc du quartz, c'est que t'as la recette alternative des circuits imprimés qui te les produit à 12,5 minutes. Vu que pour faire un ordinateur, t'en as besoin de 25 minutes, tu vois. Tu mets juste deux assembleuses qui te font des circuits imprimés à base de quartz et littéralement et de tôle de cuivre et de c'est du quartz et du cuivre en plus, il me semble, donc c'est vraiment free le truc. Vraiment gratos. Donc ouais. Tiens, en parlant de ça, je sais plus. Au lieu de tourner en rond, je vais aller vers toi. Hein. Parce que de toute façon, monorail, bon. Je me dis, il va falloir peut-être setup une usine de d'ordinateur. Donc. Par contre, du coup, sur moi, il va me falloir tout ce qu'il faut pour faire l'assembleuse. Production. Non, pas l'assembleuse, la façonneuse. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la façonneuse. Et j'ai de quoi faire quelques cadres modulaires lourds en plus. Allez, vas-y. Donc j'y suis. Du coup, ouais. Ouais, comme ça, j'ai de quoi faire trois façonneuses sur moi, même si je pense qu'il n'y en aura jamais besoin d'autant, il en aura juste besoin d'une. Ah, peut-être que pour. Non, non, ben non, c'est avec des assembleuses que ça se fait, tu veux me dire. Il faut quoi pour faire passer à travers un mur là? Hypertube. Trou pour hypertube. Littéralement, tu vas dans transport et t'as trou mural pour hypertube. Mais tu le vois pas s'ouvrir le trou mural. C'est le seul truc que je te dis, c'est que tu, en fait tu vois pas le trou mural s'ouvrir. Ça je te le dis, voilà. Malheureusement, quand tu t'approches du trou mural, tu le vois pas s'ouvrir. C'est le seul défaut. Jouer des câbles. Ah bah il se vide un petit peu. Enfin, je dis ça, ouais, y a encore pas mal de radins. Du coup, pour l'assembleuse, il me semble qu'il va juste me manquer des moteurs, mais ça tombe bien. Il y en a plein de stockés, et puis de toute façon, ça ne demande pas beaucoup. Oh, production pause. Oui, il y a une dé. Les mines de fer, elles ont été arrêtées. Parce que je les ai arrêtées. Mais pourquoi t'as arrêté les mines de fer? Parce que pour l'instant on avait assez de trucs et que j'avais pas besoin de tourner. Ah, pour les plaques et les tiges, tu veux dire? Bah oui. Oui, par contre, oui, c'est vrai. Par contre, les vis, oui, on en a besoin d'un peu plus. Donc oui. Oui, pour laisser plus de place pour mettre des tiges, je vois. Mais faut me prévenir, parce que si tu me préviens pas, je me demande pourquoi elles sont à l'arrêt en fait. Il faut communiquer, monsieur. You have to speak. You have to tell me. Because if you do things and you don't tell me, it can be problématique. Tu es ruiné, monsieur. Hein? Bon, donc communication nous coupe. Oui, mais même. Tu parles dans le chat, tu t'écris sur le chat. T'écris sur le chat du jeu. Est-ce qu'il y a un chat au moins dans le jeu? Peut-être. Sûrement. Attends. Option. Comment. Non, pas commande. Attribution des touches. Pipi.
Ouvrir le chat, si, il y a une touche pour le chat. Oui, oui, sinon je peux pas te... Oui, voilà. Bah parle dans le chat. Ce sera bien comme ça si tu me parles dans le chat. Bon. Du coup, façonneuse, c'est bon. Assembleuse, c'est bon. Ah, attends, assembleuse, j'ai de quoi les faire. Façonneuse, il va me manquer, ouais, juste ça. Bah, c'est bon, j'arrive. Attends, je suis en train de... Non, non, mais je sais, mais j'arrive avec ce qu'il faut pour faire ça. Non, parce qu'en fait, je veux savoir combien il faut minutes des bonnes ressources, en fait, c'est tout. Moi, je passe par là, c'est pas par là le canon. Le canon pour l'hypertube. Aïe, j'ai mangé une porte. Ah oui, t'as juste vidé le bâtiment. Ah oui, d'accord, c'est juste que... Ah oui, t'as juste vidé le bâtiment, ok. Oui, t'as vidé le bâtiment et t'as répondu un petit peu. Oui, parce que là en bas en fait il va y avoir tout ce qui me produit les moteurs machin là. Donc avec les tôles et tout ça qui vont monter là-haut. Oui, il va y avoir General Motors ici en fait, et ensuite au-dessus il y aura autre chose, c'est ça? Au-dessus là il y aura les fils de Caterium. Ok, et à l'étage au-dessus il y aura peut-être tout ce qu'il faut pour... Attends, une face aux deux, ça prend quelle place? Ah oui, oui, c'est gros. Effectivement, c'est fat. Oui, j'ai fait de la place là-bas en bas. Où ça, là-bas? Oui. Ah oui, 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 bah, y a de la place là, oui, pour pouvoir mettre façonneuse. De toute façon, façonneuse, elle va être en bout de ligne, la façonneuse, normalement. Donc ça dépend de tout ce qu'on a besoin. Bah, je vais... C'est pour ça que je vais regarder dedans, en fait, ce qu'on a besoin exactement. Donc si je veux dire pour faire un ordinateur. Parce qu'on va avoir besoin d'ordinateur au bout d'un moment. Circuit imprimé, 25 minutes. Ça, je pense que le mieux, c'est du coup de faire avec les assembleuses, de faire la recette alternative, qui permet d'en produire à 12,5 minutes et d'en mettre que 2 pour la façonneuse. Alors, c'est juste histoire de dire, mais voilà, il va falloir un truc comme ça pour le truc. Ça va être... Donc si je te dis de faire...
Silicium alternatif, ça a demandé 27,5 de silice minute et 27,5 de tôle de cube minute, ce qui va nous faire un total de 55. Ouais, c'est ça, 55 de cuivre, de tôle de cuivre et 55 de silice minute. Donc parce que là, du coup, il va avoir charbon qui va arriver par là. Là. Ensuite, bon, les câbles, le plastique, les vis. Si on a une recette alternative pour les tiges, on peut faire des vis plus rapidement, peut-être. Parce que les vis, oui, on a une recette alternative pour les tiges, donc je me dis peut-être qu'il faudra avoir. Attends, tiges, on a qu'une recette alternative ou on en a plusieurs? Parce que c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir plusieurs recettes pour les tiges. Théoriquement, je peux produire des tiges avec des lingots d'acier. Ouais. Ça va les ça te permettra d'utiliser moins de machines pour faire les tiges, pas les vis dont on va avoir besoin. Parce qu'on en a besoin de combien de minutes des vis? 130 minutes. C'est combien que ça se produit les vis dans une. Dans un constructeur déjà par minute? 40 minutes. Ok. Ça fait. Soit on met à 120 minutes avec 4 constructeurs, soit il nous faut 5 constructeurs. Soit il nous faut une recette alternative pour les vis. Je me dis peut-être que. On pourrait aller chercher de quoi faire les recettes alternatives. Hein. Pour ça, parce on que. On va prendre l'exploration et qu'on cherche les conteneurs. Hein. Bah, ça pourrait être une bonne idée pour avoir des recherches. Une fois bah, qu'on fait l'usine, on a les trucs alternatifs et on prend tout ce qu'il y a comme ressources autour d'ici parce que bon, des mines de fer, il y en a. Hein. Mais en fait, oui, ce qui est bien, c'est que t'as toutes les ressources pas loin. En fait, t'as pas mal de ressources pas très loin. Un kilomètre, c'est pas loin de toute façon, au pire. Hein. Donc, oui, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, juste, Non, mais t'as des mines de fer là, t'as du catérium, t'as du quartz, enfin, t'as tout entre guillemets à peu près à portée de main. Charbon aussi. Oui, t'as tout. Bon. Après, il y a juste à agrandir. Par contre, je me dis, du coup, pour faire de l'exploration, est-ce qu'on irait pas. Attends, j'ai un MAM. Je vais poser un MAM vite fait. C'est pas dans le. C'est dans le quartz. Ouais, quartz explorateur. Ça te dit pas juste on va chercher du quartz, on fait des cristaux de quartz, on fait l'oscillateur à cristal, on fabrique 10 oscillateurs à cristal, on prend des cadres modulaires, on fait le. On recherche l'explorateur, et comme ça on y va en quad. Enfin on y va en buggy. Ouais mais faut quoi pour crafter le buggy? Bah pour ça faut déjà débloquer le buggy. Et débloquer le buggy c'est cadre modulaire et oscillateur à cristal. Les oscillateurs à cristal faut du quartz pour les débloquer. Voilà. Et en fait, tu peux débloquer dans le MAM, tu peux débloquer avec les oscillateurs à cristal et les cadres modulaires, tu vas pouvoir débloquer le buggy. Et vu que c'est un véhicule d'exploration, ça va pas non plus coûter ultra cher en ressources, tu vois. Ouais, j'ai fait double... Attends. Ah oui. Parce qu'attends, le quartz le plus proche il est loin. 1004, 1 km 4. Hmm. 1 km 1, 1 km 2. C'est pas. Ah oui. Sinon il y a le truc que j'avais marqué en mine quartz aussi. Qui lui du coup est pur et t'as 1600 mètres, ouais, 1900 mètres. On va aller à 1 km 2 histoire d'aller chercher ça. J'ai combien? C'est 5 de quartz pour 3 pour 1 cristal ou pour 3 cristaux, je crois. C'est 5 de quartz pour 3 cristaux. Bon, au pire, je prends 3 stacks de quartz histoire. Enfin, 5-6 stacks de quartz histoire d'être sûr. Comme ça, je vais pouvoir avoir des buggy. Parce que ce qui est bien, c'est que de toute façon, je peux tout faire sur place. Espérant que les oscillateurs, ça demande pas trop de trucs, mais il me semble que ça demande juste du quartz et un autre truc.
vite fait, donc... Alors, hostilité non autorisée envers un pionnier, ah bon? C'est autorisé d'être hostile envers les pionniers parfois? Vers le gars qui se balade? Ah, 700 mètres, bon ça va, c'est pas très très loin. Ah, j'entends des miaous là où je suis. Si j'entends des miaous, tu sais ce que ça veut dire. À 600 mètres du quartz en ligne droite de ton usine, il y a... Il y a des miaous. Ah mais c'est que tu me suis en fait. J'espère que t'as préparé ton masque à gaz parce qu'on va passer dans une zone verte. On en a pas encore. Oh, après Jean-Pierre, théoriquement. Regarde. Non mais en plus c'est de l'autre côté du gaz, hein, c'est même pas dedans donc. C'est plus loin encore. C'est au-dessus du caillou. À mon avis, ça doit être en haut du caillou. Je vais regarder, mais ça doit être en haut du caillou. Ouais, c'est ça, c'est en haut du caillou. Ah! J'ai entendu un miaou. J'ai entendu un petit miaulement. Je sais qu'il est juste là. Sans... Ah! Miaou! J'entends un chaton, au secours. Ah! Merde! Ah, j'ai... Ah! 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 JP? Mm-hmm. Je crois que c'est 80 mètres sous le sol, ce qui explique pourquoi j'entends un miaou. Parce que le bip il est là, mais à 80 mètres de nous. Ouais, il est exactement ici, à 83 mètres de nous. Hum. Mm. Il y a des miaou, donc bon bah... Je vais prendre des pale berries par contre avec. Faut trouver l'entrée de la grotte maintenant. Ah, il y a un miaou. Une grosse miaou. Il y a un miaou. Ouh, putain, c'est bon. Oh, ce miaou fait mal. Jean-Pierre, peut-être descendre par en bas. Hein. Ouais, ouais, bah doit être en bas, oui, la grotte, hein, l'entrée de grotte. Mm. T'as pas beaucoup de heal, donc t'as pas envie de sauter, c'est ça? Ça va, pardon. C'est quoi ça? Monter là. Mais monter là, c'est pas une entrée de grotte. Parce que du coup, on sait que c'est sous terre. Là où j'avais entendu les miaou, mais ça fait un peu loin. Après, tu vas me dire 500 mètres, c'est pas très grand pour une grotte. Hein. Je pourrais que. Ah! Il y a du cuivre là, il y a du. Ouh! Ah, là, il y a du cuivre et du. Et de quoi faire du béton? Et du. Et du. Merde. Du grès. Du calcaire, oui. Bon. Du grès. Calcaire. Ouais, c'est ça. Béton. Ah, j'entends un miaou, donc elle. La grotte elle passe par là maintenant. Elle est où l'entrée? Ah, je crois que j'ai trouvé l'entrée. En tout cas, j'ai trouvé une entrée. JP? Je crois savoir d'où sortent les miaous. Je suis devant une entrée de grotte, donc je t'attends.
Ah, je dis entrée de grotte, mais c'est sûrement une grotte. Pas forcément. Ah. Ah. Déco reco. Ah non, mais c'est pas une grotte. Pas une grotte. Ah merde. Est-ce qu'ils me disent qu'il y a du quartz à proximité? Non, il me ping celui qui est à 80 mètres, qui a du coup à 300 mètres de nous là-bas. C'est un problème. Mais attends, vu qu'on a trop... Mais attends, il y avait un miaou dehors, donc à mon avis, c'est que c'était pas très loin d'une sortie. Parce que c'est bizarre que... Parce qu'en général, elle sort pas très très loin des grottes quand tu regardes. Hein. J'ai 25 noix de béryl. Là, il y a juste du gaz, mais il n'y a pas d'entrée de grotte, on est d'accord? Non. Alors, pourquoi il y avait un miaou? Mais il y a une entrée de grotte dans le coin. Oui, il n'y a que du gaz. Que du gaz mais pas de grotte. En sachant que les miaou elles sont immunisées contre le gaz. Ah, j'ai peut-être trouvé. J'arrive. Mais il y a encore plein de calcaire ici. Oh, il y a de quoi faire une belle usine à béton là. Et tu vas me dire oui mais le béton on en produit tellement peu que bon. Je me dis pouvoir faire une belle usine à béton. Ah mais du coup t'es descendu dans le canyon, c'est ça? Ça? T'es descendu dans le canyon? Oui. Ok. Pipi. Okay. Oh non. Bon, j'ai cru que c'était une entrée de grotte, mais non. Ah. Mais je me dis, faut peut-être regarder plus loin. Là où j'ai entendu les miaulements de tout à l'heure, tu veux pas qu'on y retourne pour voir s'il n'y a pas une entrée de grotte là-bas? Ah. Attends. J'entends des miaulements. Ouais, j'entends des miaulements. C'est que doit y avoir une entrée de grotte pas loin. En tout cas, il y a une salle d'une grotte qui est pas loin. Ouais, j'entends des miaulements là. J'ai fait tout le tour. J'ai pas trouvé où ça allait entrer. Il faut regarder un peu plus loin parce que clairement là j'entends des miaulements, donc c'est à dire qu'il y a quelque chose. Bon, c'est en dessous. Maintenant, comment on y va?
peut-être une entrée cachée, non? Bah, le truc, c'est que j'ai pas vu de cailloux à faire sauter, en fait. Peut-être que l'entrée est dans le gaz. Bah, j'ai regardé vers là où il y avait le gaz, j'ai pas vu d'entrée en fait en passant de côté, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pas l'impression qu'elle soit à côté en fait, j'ai l'impression qu'elle est un peu loin. Parce que c'est bizarre, j'ai entendu des miaulements, mais faut qu'on aille regarder plus bas s'il y a une entrée. Ouais, le quartz il est là, mais la grotte ici. Enfin, il y a une grotte, mais il n'y a pas d'entrée. S'il n'y a pas d'entrée, ouh, ici il y a trois bouts de ferraille. Ah oui, mais c'est pas près d'un point de départ ça? Si, il me semble qu'il y a un point de départ qui est pas loin de ça. Il va y avoir un point de départ pas loin d'ici. Parce que là, je vois qu'il y a trois points de fer. Ouais. Il ça ressemble à un point de départ. C'est du quoi? C'est du normal, du pur? Normal, ouais, c'est ça. Là, il y a un point de départ à côté pour qu'il y ait trois points de métal normal comme ça. Il doit y avoir une entrée de grotte. Pas possible. Ouais, je suis tombé sur un comment ça s'appelle? Un quoi? Un conteneur? Et bah, il faut quoi pour l'ouvrir? J'ai. Ah. Et récupère les ressources autour, s'il te plaît. Que tu laisses pas toutes les ressources qu'il y a autour et que du coup je vois pas des trucs autour en me disant bah il est pas ouvert ce conteneur. Ah oui, je vois. Je vois le conteneur en question. Allez bingo, ça, tu te fais tirer dessus. T'as plus de vie, c'est ça? Bon, les ressources qui est autour, je vais les récupérer, donc je suis là. Alors, les vis. Hop. Ah bah tu l'as ouvert du coup, ok. Reste d'autres trucs à côté. Oh, en plus ça c'est important, c'est circuit imprimé. Ordinateur. Ah oui, ah non, les ordinateurs. Ah, par contre, le logo des ordinateurs, quand ils sont droppés, c'est le même logo que les circuits imprimés. Enfin, c'est pas le même logo, mais je veux dire, c'est l'item. Quand il est posé par terre, il ressemble pas du tout à l'ordinateur. Mais est-ce qu'il faut trouver la grotte ? Bah, il y a forcément une entrée pas loin. Il y a forcément une entrée qui est dans le coin hein, maintenant. Ouf. C'est ça la question, c'est en fait où elle est cette entrée. Endroit où il y aurait des potentielles entrées de grotte, mais c'est bizarre quand même. Ouais, à part si elle est j'ai à moins que ce soit juste un petit passage, j'ai un truc qui pourrait ressembler à une entrée de grotte.
J'ai du gaz, j'ai une sphère de... À moins que ce soit juste un trou. Ah, c'est peut-être juste un trou. Merde. Ah, je sais pas. Peut-être que... Ah non, c'est juste un mini canyon. C'était quoi ça que j'ai entendu? Pas dans le du jeu. J'ai entendu un peu. Non, il n'y a pas d'entrée de grotte ici, non. Non. C'est juste un trou avec une sphère de Mercer, d'accord. Je la trouve pas. Hein. Ah, niveau de radish. Ouh, oui, il y a un coup. Aïe. Il y a un caillou d'uranium là. Ok. Is that? Non, c'est pas une entrée de grotte, ça. Je pense pas. Je vais regarder, mais peut-être que. Ah, attends, j'ai peut-être un truc. Ouais. J'ai non. Ouais, non, oui. Oui, si, oui, 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 il y a des miaou. Ouais, j'ai, mais alors j'ai un trou pour rentrer dans la grotte par le plafond, par contre. C'est par le plafond. Ouais, mais écoute, c'est un trou qui mène à une grotte, donc. Mais bon, cela, c'est un peu à la The Forest. Faut mettre une corde et descendre. Une échelle dans ce cas-là, ça tombe bien. Et où se trouve en bas? Enfin, en bas, où je suis. C'est moi? Ah, il faut que je fasse le tour de la montagne. De quelle montagne? Ah oui, de la grande, oui. C'est pas très très loin du conteneur, de savoir. Bah écoute, je vais mettre un... Est-ce que j'ai... Oui, j'ai de quoi. Je vais mettre un conteneur industriel... Je vais mettre deux conteneurs industriels à côté. À côté de l'entrée de la grotte. Enfin, de l'entrée. Du trou dans le plafond de la grotte. Mmh. Et... Mais est-ce que tu es sûr que ça descend dans la grotte ou dans la quartz? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que ça descend dans une grotte. Et pour l'instant, on n'a pas trop d'entrée de grotte, donc il se peut que ce soit celle-là. Je sais pas, écoute, je connais pas la map, hein. Je connais pas la map et ses grottes. Je connais pas la map des grottes, mais en tout cas, c'est juste ici, en fait. Là-dedans. Donc je me dis, il se peut que ça permette d'y accéder. Hein. Attends, j'ai mis deux conteneurs. Tu veux pas foutre une partie de ton stuff dans un conteneur? Sur deux. Moi, je vais mettre une partie de mon stuff dans le conteneur parce que j'ai vraiment plein de trucs sur moi, donc s'il y a des trucs à loot... Bah après, il y a du gaz rose, donc ça veut dire qu'il y a du quartz en dessous. Ah, peut-être. Déjà, je vois des limaces roses. Oh, des violettes. Ouh. Mais par contre, c'est bien d'avoir YOLO, mais... Mais tu peux pas juste qu'on mette des rampes, par contre, au lieu de YOLO? Je sais pas comment ça va être, mais c'est pire, la pire. Hein. Attends, je vais poser une petite
Merde, il manque des petites fondants en béton là avec une échelle, je me dis, pour descendre en rappel. Non mais regarde. Tac, et pour descendre en rappel. Merde, j'ai plus de tiges. Dis-moi que j'ai des tiges quelque part. Oui, j'ai stocké des tiges, c'est bon. Ouf, je vais mettre une voilà, avec une échelle pour descendre en rappel en fait. Oh putain! Ouais, je vais faire un truc, c'est... Putain, c'est quoi? Demi... J'ai pas une demi... Je peux pas poser une demi-fonda là? Si, je peux poser une demi-fonda ici. Voilà. Je l'ai entendu. J'ai entendu. Ça donne pas envie d'y aller. Mais moi j'y écoutais pour te dire quand je l'ai vu. Mais t'es où? Ah, t'es là? Je suis là, ouais, bonjour. Qu'on fabrique des tiges, non? Non, mais j'ai des tiges sur moi, j'ai des tiges. Mais je vais pour flinguer. Moi j'ai pas de tiges. Ah, des barres d'armature? Ah non, j'en ai pas. Tu m'établis peut-être? Merde, j'ai plus de plaques, je les ai oubliées dans le conteneur, attends. Ouais, ouais, c'est pour ça que j'ai mis deux conteneurs doubles là. Ah, on peut pas grimper à cause du caillou. On va la mettre un petit peu plus à gauche l'échelle, hein. Voilà. Là. Puis là, on peut aller en face en sautant, donc c'est pas un problème. Hop. Ah, il y a deux conteneurs là. Voilà, j'ai des plaques, voilà, je vais en mettre un. On établit. C'est pas spécial. C'est vrai que pourquoi je vais dans spécial prod? Établi. Et je vais le mettre à côté des conteneurs. Voilà. Barre d'armature. Et c'est pas l'établi qu'il nous faut, c'est vrai. C'est l'atelier d'équipement. Oh, je mets les deux comme ça. Ah, barre d'armature en fer. Et je m'en fais une cinquantaine et puis voilà. Ah! Mais elle est sortie d'où elle? Ah, du trou? Elle a grimpé? J'en vois une là-bas. J'en vois là-bas. Il y en a une là. Peut-être pas dans le sol, il y en a une plus grosse. Oui, oui, je sais qu'il y en a une plus grosse. Mais tu sais, moi, elle ressemble pas à des. Moi, elle ressemble à des miaous. Je te rappelle qu'elle miaule et que ce sont. Et c'est des JPEG de chat. Pourquoi l'atelier est occupé? Ah oui, c'est bizarre. Comment ça, l'atelier est occupé? Pas moi, il disait l'atelier est occupé. Si, replace-le. Au pire, on en met deux, hein. Pas s'embêter, hop. Allez, je vais m'en faire encore une cinquantaine comme ça, j'en aurai 100. 100 barres d'armature, je pense que ce sera pas mal. Il faut pas que j'oublie que j'ai gardé des tiges pour faire la... faire des échelles. Voilà, hop. Moi j'en ai sur moi des tiges. Let's go! Je vais faire monter le truc, ça va être chiant. C'est-à-dire? Ouais, on va devoir faire monter du coup les cristaux. Oui, mais courir vertical? Bah oui.
Oui, mais convoyeur vertical, c'est pas trop compliqué avec les convoyeurs verticales, ils vont quand même assez loin. Plateforme échelle. Elle est là. Got him. Attends, on peut descendre juste en se baladant la patte? Vraiment? Ben oui. Ah, de là, j'ai pas l'impression. Si? Ici. Oh, d'ici? Moi, je sais pas. Voilà, je suis arrivé au bout. Ah oui, mais c'est vraiment un truc en colimaçon. Ah, mais c'est un truc en colimaçon! Bon, bah, ça devrait pas être compliqué, sinon on fait juste passer le convoyeur en colimaçon. Putain, mais le. J'en avais les goûts. Ah, et un agar avec l'ardon. Ah oui, c'est un petit colimaçon. Oh. T'as récupéré la. Oui. L'électro-blablite. Attends, il y avait juste ça ici? Il y avait juste une limace! Vraiment? Elle est descendue juste pour une limace! Donc c'est pas ici! Et littéralement, c'est juste derrière le mur. Et. Donc c'est que doit y avoir une autre entrée de grotte pas loin. Et oui, parce que elles sont pas. Il y en avait qui arrivaient de derrière nous, donc il n'y avait pas de... du trou là en fait. Il y avait d'un autre trou. Non, il y avait juste une limace et une grosse araignée. Il y en a de ces trucs dans ce conteneur. Regarde le conteneur de droite pour le déconstruire. Il y en a de ces trucs différents dans le conteneur. C'est là qu'on voit que mon inventaire est un vrai bordel dans ce jeu. Ça va comparer à moi, il y a moins de trucs. Non, non, mais c'est pas tout, ça c'est quelques trucs, c'est histoire de faire de la place. Hein. Ah, c'était pas l'intégralité de l'inventaire, ça c'était quasi épique. Ça, c'est juste histoire de faire quelques slots d'inventaire de place. Mais par contre, du coup, elle venait de par ici. Maintenant, si elle venait de par ici... Si elle soit arrivée de par ici, c'est qu'il doit y avoir une entrée de grotte pas loin. Parce qu'elle ne spawn pas à la surface, elle spawn... Enfin, elle spawn autour des entrées de grotte, mais genre vraiment à proximité, il me semble. Alors celle qui se balade... Et parce que celle qui se balade près de notre usine à composants... enfin à poutre... la poutre triangulaire là... elle se balade juste à côté de la sortie en fait. Et juste au-dessus de la sortie donc. Il y a une plante à gaz ici, mais je m'en fous. Oh, va pas me dire que... Attends. JP ? J'ai encore trouvé un truc. J'ai encore trouvé un puits. Alors, j'entends pas de miaou, mais le problème, c'est que ça descend. Mais ça a l'air de pas mal descendre. Alors ça a l'air de descendre un peu profond. Alors seul truc c'est qu'il y a une plante à gaz au-dessus, donc bon. Un peu casse-couille la plante à gaz, mais bon. Je peux pas mettre une petite fondation de manière à avoir l'échelle au bon endroit. Alors peut-être demi-fondation du coup. Aïe, 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 aïe. T'es chiante avec ton gaz. Du bol, j'ai plus d'explosifs sur moi, sinon je l'aurais bien pété. Je vais attendre qu'elle se calme.
Bon, elle est où l'entrée? Elle est où l'entrée de ton puits? Là. Là, par contre, c'est réellement un puits, par contre. Hein. Par contre. Ouais. J'espère que t'as d'huile parce que tu vas te bouffer du gaz dans la tronche. En fait, déjà, je sais pas où passer avant de prendre du gaz. Aïe. Aïe, aïe, je suis en train de faire gazer la tronche, je suis obligé de descendre un peu. Oh non. Ah non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais bloqué, non, c'est bon. Et après, c'est de quel côté ton trou là? Tu vois la plante qui émet du gaz? En fait, je n'ai pas dans le gaz. Parce qu'on voit des gros trous qui envoient du gaz, mais il faut pas que tu prennes du gaz. Tu sais les plantes qui se lèvent là? Pour l'instant je vois pas ça moi. Ah. Donc c'est un peu plus haut je pense. Mais c'est littéralement sur mon marqueur. Hein. Aïe. Aïe, 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 je suis surmonté suffisamment pour qu'elle me détecte et qu'elle me rebalance du gaz à la tronche. Moi je cherche le bouton manqué de puits là. Le nuage vert là. Oui. Avec le petit buisson de Paléo B. Bon, c'est que j'ai piqué les baies dessus. Il y a un trou. Bonjour. Maintenant, le problème, ça va être de remonter. Quand faudra remonter. Oui, il y en a une autre. T'as des explosifs? Ah non, on n'a pas. Hein. Oh là! Oh non! Oh non, au secours! Vite, descendre. Putain, il y en a combien? Oh! Non! Ah, je vais canner. Non, il y a juste. Oh, putain, il y a juste du gaz, une paléo B et, un summer sloop. Réellement, il y a juste ça. Et en plus, il y a juste un vieux cristal de quartz qu'on peut miner à la main, mais c'est tout. Il n'y a rien d'intéressant. On va crever à cause de plantes de merde. Ouais. Comment on remonte? C'est ça le problème. Bah attends, je vais respawn, je vais aller à la base et je vais faire des explosifs. Je vais nous fabriquer des explosifs. Il me semble que j'avais laissé de quoi faire des explosifs en rab. Donc t'inquiète pas que s'il y a de quoi faire des explosifs en rab, ça va péter. J'ai 30 de poudre noire, c'est ça. Avec 30 poudre noire, je peux faire pas mal d'explosifs. Je peux faire quelques explosifs, il me semble. Nobélisque, 2 poudres noires et les tuyaux en acier, parfait. Et je vais vouloir faire un détonateur du coup. Câble, poutre et un scanner. Ok. Et scanner. Plaque renforcée, fil électrique, vis. Okay. Je vais aller faire de la TNT. Je vais crever parce que tu vas plus remonter. Oui, mais je vais ramener de la TNT et je vais les faire sauter. Je vais les ça va péter. Ah mais c'est con. Pourquoi je tombe que sur des entrées de grotte à la con par contre? Des trous. Genre, ils savent que le truc est dans une grotte, du coup ils nous mettent des trous à côté en mode allez-y, 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 hein. Y'a rien. Non, c'est sadique quoi. Il n'y a au moins aucun moyen de m'en sortir, bah, je vais mourir. Et bah, c'est pour ça que je suis allé faire tes explosifs. Pour, aller, pour pouvoir aller récupérer ça. Oui, je sais, j'ai fait. Oui, mais. Je sais que t'es mort, mais Jean-Pierre, pourquoi je vais faire des explosifs à ton avis? Pour plus ouais, mourir. Je vais récupérer ce sport. Non, non, mais attends, on va récupérer ton stuff avant. Non, Jean-Pierre, vu tout ce que j'emmène sur moi, franchement, je peux pas. Vu tout ce que j'avais emmené sur moi, j'ai pas la place pour mettre tout stuff dans mon inventaire. Mais tu feras des allers-retours. Oh non non, ton inventaire il va rester dans le trou tant que tu iras pas le chercher. Je le dis. Câble, bâton et vous.
pour aller. Bonne nuit à tous. Ah bah tu iras le chercher la prochaine fois ton stuff alors. Ah il est 23h42. Bah je m'en fous, je vais juste aller chercher mon stuff et après j'irai me coucher. Électric vis. Câble renforcé. Bah quoi, c'est bon. Et on ira trouver cette grotte et le quartz la prochaine fois. Mais en plus, pourquoi on s'embête? Enfin, je me dis oui, non, mais sinon le quartz, je peux juste aller en chercher, genre à la mine qui est safe, qui est safe, qui littéralement est à... Ok, elle est plus loin, mais au moins. T'as pas besoin de creuser pour aller t'embêter à essayer de trouver une. Enfin, creuser, non, d'aller explorer des grottes à la con. Pas besoin d'aller suicider pour aller chercher juste une. Et pas besoin d'aller juste. Bon, vous voyez ce puits avec du gaz, allez là-dedans. Non, c'était pas ici, ah, pas de bol. C'est bon, je vais. Juste aller dans le truc. Dans les. Juste aller à la surface, chercher une qui est à la surface. Pas s'embêter avec une qui est dans la grotte qui en plus va être. Enfin, sinon, faut juste trouver de la vraie l'entrée de la grotte, mais bon, au pire, hein, mais au pire, faut regarder sur le wiki. C'est le wiki où vous trouvez une map en ligne qui cartographie la map vu qu'elle est pas vu que c'est une map et que c'est pas un monde procédural. C'est tranquille. Pourquoi je suis là-dedans? Non, c'est pas là-dedans que je peux voir le craft. Il me semble que j'ai oublié. Oui, des plaques tier 2, c'est vrai. Oui, c'est là-dedans. Je veux... Non, c'est pas là-dedans. C'est ici. Détonateur. Voilà. Et je récupère mon stuff. Et puis vous, j'ai un peu de vous laisser là après. Hein. Oui, il est 23h45, je pense que le temps d'aller chercher mon stuff et de revenir, il sera minuit, donc j'arrêterai là pour ce soir. C'est celle-là.
C'est pareil, ici j'entends plein de miaulements, il faudra que j'aille voir ce qu'il y a là-dedans. Enfin, que j'aille voir. Qu'on aille voir. Oui, puis sur... Puis... Ah putain, c'est vrai qu'il a pas pris ce réflexe. Il a pris le réflexe de le faire à la base. C'est vrai que... Il a pas pris ce réflexe parce que, en même temps, j'y ai pas dit. En gros, il aurait juste pu, il aurait dû poser un MAM et Oh putain, comment ils ont appelé ça, le circuit imprimé, enfin le merde. Est-ce qu'il faut scanner quoi? La banque de données, hein, la caisse de... Je crois que c'est comment ils appellent ça, bon. Je vais regarder. Ouais, disque dur, c'est ça. Petit. Hein. Non, je dis ça, non. Juste non, je suis pas fatigué. Clone. Et ouais. J'aurais dû lui dire qu'il pouvait mettre directement le disque dur scanné dans le MAM, retirer son MAM, et de toute façon, vu qu'ils sont tous connectés, juste tu poses le MAM, tu scannes, tu relèves le MAM, et t'es bien. Alors la caisse elle est où? Elles sont là-bas. Dans, c'est là qu'il y avait la plante? Je suis pas sûr que c'était là qu'il y avait la plante. Ouais. Si, c'était ici. Ah, ah oui, ah oui, c'était là. Ah, en plus, il y avait un cristal de quartz à côté, ok. Arrête, hein. Ok, on va. Ouais, je me suis suicidé du coup. Il va falloir que je revienne juste pour ça. Oh. Bon, vous savez quoi? Je vais faire ça off stream. J'irai récupérer mon stuff off stream. De toute façon, c'est le seul truc qui me reste à faire là pour ce soir. Récupérer le stuff. Le ramener à la base. Enfin, récupérer mon stuff, le stuff de Taiga, il aura le chargé lui-même. Il sait où il est le trou, il ira le chercher dans le trou. Voilà. Du coup, sur ce, moi, je vais vous dire bonne nuit. Et puis, à demain pour du snowrunner.